Chose promise, chose faite, bande quoi pour moi venir télévision topesi bino mbote bisikanya soboza kolanda biso to prometa ki bino to kochela bino intégralité ya lancement des travaux de rocade de Kinshasa oyo et salamaki et pas chef de l'état na niveau ya mitendi to bibiso nyonso mboka na biso ndenge embouteillage eza ko déranger yango pendant ko kene na aéroport en Chili faut ko kene juste na nzela moko et construction ya ba rocade de Kinshasa oyo donc ba voie de contournement et ko ya vraiment ko trouver solution na ba problème oyo to zala ki na yango sans vraiment moins to ba mingi ezate place aux images beaucoup tala ndenge ni chef de l'état akumaki activité nyon sur les kaki ainsi que ndenge asila ki ko lancer ba travaux. Nous allons juste souligner que coût ya misala oyo ezwamina 278 millions de dollars et durée des travaux et ko sala maduron 2 ans et demi longueur ya banzela wana ils ont 63 km. Ça partira de Mboudi na terminus ya Mboudi et traverser route ya caravane et bimi na quartier Mitendi et les qui joli site ezui Bralima ezui Riflar et kei kokoya na RN1 na niveau ya Badara ti na aéroport ya Anjili. Donc ba rocade de Kinshasa wana et ko zala 2x2 et ko salama vraiment na moment oyo comme le chef de l'état a lancé misala ba mapango nyonso oyo eza pembeni ya balabala esika ba kotonga il faut ba buka et ba zongisela bato mbongo sans plus tarder botala vraiment comment est-ce que milulu elekana kito sala ki wana ko nga venir télévision to lakaki bino que to kotie la bino intégralité ya cérémonie wana botala bongo to uzonga na masolo na biso. Champion, champion.
champion. Chef, pardon. Pardon, chef. Le président de la République, Mathieu Béton. Mathieu Béton, nous pensons que le monde est à Kanina. Le président de la République, Mathieu Béton. Donc, de la avec l'expression de nos hommages renouvelés. Ce samedi 22 juin 2024, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, procédera au lancement des travaux de construction de Roca de Kinshasa. Ce projet, qui est motivé par le souci de désengorger les artères de la capitale et contribuer au développement touristique de la ville-province de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour son mot de bienvenue. Thank you.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau provisoire du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près de la Cour constitutionnelle, Honorables députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Honorables députés provinciaux, ville de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Monsieur le directeur général de la Société sino-congolaise de mines, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectées. C'est pour moi un honneur et une fierté légitime de prendre la parole en ce jour pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement des travaux de construction des rocades de Kinshasa. La cérémonie qui nous réunit en ce lieu revêt une double symbolique. D'abord, le fait d'être rehaussé de la présence de la plus haute autorité du pays, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage. Ensuite, le fait d'offrir une solution aux embouteillages devenus un problème lancinant dans notre ville, un casse-tête qui met à rude épreuve la qualité de vie de Kinoises et Kinois. En effet, Kinshasa, notre capitale, mégapole en pleine expansion qui abrite l'ensemble de nos institutions, est confrontée à des défis majeurs en termes de mobilité. Les embouteillages affectent de manière indistincte écoliers, étudiants, employés, fonctionnaires, médecins, commerçants, responsables politiques et même les pompiers et ambulanciers. Tout le monde les subit, tout le monde en souffre. Cette situation préoccupante a un impact négatif sur le bien-être de la population, sur sa capacité de travailler et de produire, ainsi que sur l'économie de la ville. Voilà pourquoi, à l'entame de mon propos, j'ai parlé de la fierté légitime du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa de commencer son mandat avec le lancement d'un projet aussi important et impactant. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les travaux qui seront lancés ce jour s'inscrivent dans le cadre d'une vision claire et cohérente, traduite dans un programme ambitieux et réaliste porté par Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État. Le lancement de ces travaux constitue un signal fort du gouvernement de la République dans l'amélioration de la qualité de vie des Congolais en général et des Kinois en particulier. L'exécutif provincial de Kinshasa s'associe à cette initiative qui apportera une solution durable au désengorgement de la capitale. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ces beaux et importants projets dont les études ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux consistent en la construction d'un réseau de routes périphériques de 320 km, lequel reliera différentes communes de Kinshasa. Il sied de relever que ce réseau comprendra 24 échangeurs et 3 ponts qui permettront de fluidifier la circulation et de faciliter les déplacements de la population. Je tiens à réaffirmer le soutien indéfectible du gouvernement de la ville à ce projet de rocade dans le cadre d'une collaboration étroite avec tous les acteurs
impliqués. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais demander à la société en charge de l'exécution des travaux de nous construire des rocades respectant les standards internationalement reconnus, de nous livrer un ouvrage à la hauteur des attentes de la population et des ambitions de cette ville. J'invite en même temps les Quinoises et Quinois, premiers bénéficiaires de l'ouvrage à construire, de faire preuve d'un sens élevé de citoyenneté en respectant les chantiers et en protégeant les matériaux et les agents qui seront déployés. La réalisation de ces rocades est une ambition affirmée de relever le défi majeur qui est celui de l'amélioration substantielle de la mobilité urbaine. La multiplication de telles initiatives associées à la volonté de bien faire ne peut que confronter notre ambition pour cette ville, résumée dans notre credo Kinshasa et Zobonga. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Nous invitons Monsieur le Directeur Général de l'ACGT pour son mot. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences Madame la Première ministre chef du gouvernement, avec l'expression de notre très haute considération. Messieurs, Mesdames, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour nous un grand honneur, un privilège de nous adresser devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement des travaux du projet de construction de rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa, qui nous sera permis de vous remercier d'avoir rehaussé de votre remarquable présence cette cérémonie, et nous saisissons cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour l'heureuse opportunité qui nous offre en ce jour, ainsi que pour la réélection de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que nous avons appelé de tous nos voeux lors de l'inauguration du port sec de Sakania et du lancement des travaux de la route Kasomeno-Kasenga-Chaloué en octobre 2023 dans la province du Haut-Katanga. Qu'il nous soit également permis de vous exprimer toute notre gratitude et notre double reconnaissance, Monsieur le Chef de l'État, pour la confiance renouvelée à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État Alexis Guissaro, à la tête du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, traduisant ainsi la reconnaissance des efforts fournis par les structures techniques et sous sa tutelle, dont l'Agence congolaise des grands travaux, dans la matérialisation de votre vision de doter la RDC des infrastructures structurantes et pour votre soutien permanent et indéfectible au secteur des infrastructures. Excellences, Monsieur le Président de la République, le projet qui nous réunit en ce jour s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2024-2028 du chef de l'État et marque la relance du programme sino-congolais. En effet, l'étude de l'évolution démographique de la ville de Kinshasa effectuée par le département des affaires économiques et sociales de la division de la population de l'État de Kinshasa et par les experts de la Banque mondiale montre que la population de la ville de Kinshasa en 2018 s'élevait à 15 millions d'habitants et qu'elle atteindra plus de 25 millions d'habitants en 2030.
Ceci nous oblige à penser une stratégie efficiente de gestion de la mobilité urbaine pour éviter qu'un jour la ville de Kinshasa ne se paralyse ou ne s'arrête à cause des embouteillages, d'où le développement du projet de construction de rocades. Ainsi, ces rocades ont pour objet de doter la ville de Kinshasa d'une ceinture de 360 degrés composée de 4 rocades, dont les deux qui nous réunissent en ce jour, à savoir la rocade sud-ouest de 21,38 km partant de l'entrée Lutendele au niveau de la Rembou du terminus, passant par Ngombi pour rejoindre Mintendi, lieu où nous nous trouvons présentement. La rocade sud-est de 41,54 km partant de Mintendi, passant par Kimwenza pour sortir au croisement des avenues Njoku et du boulevard Lumumba. Ce projet est le fruit d'une étude avant-gardiste conçue par l'Agence congolaise de grands travaux depuis 2014, d'une route d'une fois deux voies, revue à deux fois deux voies en vue d'élargir l'emprise actuelle de 5 mètres à une route de 20 mètres de largeur, ceci conduisant à des expropriations de grande envergure. Ces travaux consistent à la réalisation des ouvrages ci-dessous pour une durée de 2 ans et demi compte tenu des expropriations. Une route revêtue en béton bitumineux, deux fois deux voies, de 63 km. Une zone de transit sur la route Kinshasa-Matadi par son élargissement en deux fois trois voies, exactement à l'endroit où nous nous trouvons ici également, sur 2,5 km avec deux échangeurs de type saut de mouton. Plusieurs ponts et plusieurs dalles. Le traitement de plusieurs têtes d'érosion ainsi que d'importants travaux de terrassement. Ici, il faut noter qu'il y aurait également aux environs de 8 pénétrantes pour connecter les rocades sud-ouest, la rocade ouest avec les rocades nord. Pour réaliser ces travaux sous la coordination du ministère des Travaux publics, la CGT, l'agence de pilotage, CISC et la SICOMINE ont mis en place une stratégie permettant de construire des ouvrages de qualité à délai et coût maîtrisé, qui consiste au déploiement simultané de 3 entreprises. 3 missions de contrôle des travaux, en l'occurrence le BTC, l'EGIS international et le bureau BK. Une mission mixte de surveillance des travaux constituée des experts de la CGT, l'Office de route et l'OVD. L'enveloppe prévisionnelle de construction de ces ouvrages sus-évoqués est de l'ordre de 273 millions de dollars américains et servira également aux travaux de lutte anti-érosive et à une partie d'indemnisation des riverains qui feront l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique. Après cette cérémonie, il est prévu dans les jours prochains les lancements successifs de travaux ci-après dont les études ont été réalisées essentiellement par l'Agence congolaise des grands travaux. Il s'agit de la construction de la route Mbujima-Nguba, longue de 900 km, qui va relier les Kasaï orientales au Katanga, dont les travaux seront exécutés simultanément par 5 entreprises. La construction de la route Kananga-Kalamambuji, phase 2, longue de 225 km, qui sera exécutée par 2 entreprises. Cette première phase de lancement des travaux sera suivi de la relance et démarrage de l'intensification des travaux d'autres projets dans différentes provinces, dans le cadre du programme sino-congolais et qui bénéficieront pour la première fois de l'expertise congolaise au travers des entreprises de travaux ainsi que le bureau d'études et le contrôle de droit congolais. Ici, j'en profite pour vous annoncer également que les travaux sont en train d'être effectués dans d'autres projets comme celui de Manterne Tchela-Singini, dont nous avons commencé l'asphaltage depuis le vendredi passé. Nous sommes en train également de gagner la bataille des escarpements de Ngombo. Ceux qui connaissent la route Bukavu-Kamanyola, ils savent de quoi je parle. Il y a également les travaux de l'aéroport de Lodja, l'aéroport de Chikapa,
l'aménagement de la ville de Lumumba-Ville, la route Idiofa, l'hôpital général de Kikwit, l'université de Mbandaka et ainsi de suite. Nous ne pouvons terminer notre propos sans vanter le mérite du programme de 145 territoires qui, à notre sens, est le meilleur programme social que la RDC ait jamais réalisé, dont le potentiel se verra maximisé par la connectivité qu'apporteront les routes à construire dans le cadre du plan quinquennal du chef de l'État. C'est ici aussi l'occasion de rappeler que les infrastructures sont coûteuses et méritent d'être préservées. C'est pourquoi nous invitons la population à de plus grands civismes et de responsabilités. Aussi, au regard des expropriations qui interviendront dans le cadre de ce projet, nous sollicitons l'indulgence des riverains et leur accompagnement, à l'instar de ceux de l'avenue Nzolana, récemment inaugurée par Son Excellence Monsieur le Président de la République. Ceci étant dit, avec la vision du chef de l'État dans le domaine des infrastructures, appuyé par le programme sino-congolais révisité, et au regard de tous ces projets héritage du chef de l'État, nous pouvons regarder le passé avec reconnaissance, nous pouvons vivre le présent avec passion et nous pouvons embrasser l'avenir avec persévérance et espoir. Nous vous remercions. Nous invitons Monsieur Lou, partenaire chinois du programme sino-congolais, à prendre la parole.尊敬的共和国总统、国家元首阁下，尊敬的国民议会议长阁下，尊敬的总理阁下，尊敬的纪检部长阁下，尊敬的总统办公厅主任阁下，尊敬的青少菜市议会议长、市长先生、合作协议协调局的局长先生、大工局局长先生，女士们、先生们、各位来宾、朋友们，大家中午好。 Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Madame la Première ministre, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Travaux publics et infrastructures, Excellences, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Chine en RDC. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Directeur Général de ABCSC, Monsieur le Directeur Général de l'ACGT, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, 举行金沙萨环线公路项目的开工典礼，这不仅是金沙萨的一件大事和喜事，也是中国企业集团和华钢矿业兑现承诺的具体行动，更是我们响应习近平总统人民至上愿景的重要举措。在此，我代表中国企业集团对金沙萨环线公路项目开工表示热烈的祝贺。 对总统阁下出席开工典礼表示衷心的感谢，向各位贵宾的到来表示热烈的欢迎，向努力工作的建设者致以诚挚的问候。
Nous sommes venus ici aujourd'hui pour célébrer le lancement du projet des travaux des rocades à Kinshasa. C'est un grand événement heureux pour Kinshasa non seulement, car il s'agit non seulement d'un acte concret visant à honorer les engagements pris conjointement par le groupement d'entreprises chinoises et la Sicomine, mais aussi une initiative importante en réaction à la vision « Le peuple d'abord » de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilumbo, au nom du groupement d'entreprises chinoises, en profitant de cette occasion, je me permets d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations au lancement du projet. Mes remerciements vont également en son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui honore la cérémonie de par sa présence. Je tiens aussi à souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les invités et à saluer les constructeurs œuvrant à la réalisation du projet. 新加坡黄线公路项目是中甘合作项目实施的第56个基建项目。 也是3月14日总统阁下亲自见证签订补助协议后投资建设的首个项目，标志着中甘合作项下新一轮基建项目建设拉开帷幕。 Le projet des travaux des rocades à Kinshasa constitue le 56e projet d'infrastructure mis en œuvre dans le cadre du projet de coopération sino-congolais et le premier projet investi après la signature en date du 14 mars 2024 de l'avenant numéro 5 à la convention de collaboration en présence de son Excellence, Monsieur le Président, ainsi marque-t-il le début d'un nouveau cycle de projets d'infrastructure dans le cadre du projet de coopération sino-congolaise. 事实上，金沙萨黄线道路是齐泽格尼总统阁下亲自确定并多次关注的最优先基建项目，对金沙萨市的城市规划和发展具有历史性的意义。黄线公路设计 为双向四车道沥青混凝土路面建成后，将有效缓解首都道路拥堵现象，疏通马达里到金沙萨的货运大动脉，方便金沙萨居民的出行，助力金沙萨改善城市交通，促进经济发展。 En effet, défini et suivi de près par son Excellence Monsieur le Président, ce projet d'infrastructure privilégié revêt une importance historique pour l'urbanisme et le développement de la capitale. Cette route est en béton bitumineux à quatre voies dans les deux sens. Une fois achevée, elle permettra de fluidifier la circulation à la capitale, de désengorger l'artère de fret allant de Madadi à Kinshasa et de faciliter les déplacements des Kinois, ce qui va forcément améliorer les transports urbains à Kinshasa et contribuer à son développement économique. 今天在总统阁下的见证下， 中国企业集团将发挥我们资金、技术、管理等综合优势，高标准、高质量建成这一重大项目，完成好总统阁下布置的任务。Aujourd'hui, en présence de son Excellence Monsieur le Président, le groupement d'entreprises chinoises est déterminé de maximiser ses avantages complets sur le financement, la technologie et la gestion dans l'accomplissement de ce projet majeur dans le strict respect des normes de haute qualité, et ce, afin de mener à bien la mission confiée par son Excellence, Monsieur le Président. 本次确定的基建项目，除金沙萨黄线道路项目外，还有其他一批基建项目也正在设计和筹备之中。 中国企业集团将响应中甘两国元首的伟大指引，落实中甘合作项目，为助推刚果金经济和社会发展做出更多、更大、更积极的贡献。
En plus du projet des travaux de Rogade à Kinshasa, des autres projets d'infrastructure sont en cours de conception et de préparation. Par ailleurs, en cette année, le gouvernement est en train de finaliser des projets d'infrastructure supplémentaires. Pour conclure, le groupement d'entreprises chinoises suivra les grandes lignes fixées par les deux chefs de l'État et continuera à remplir sa mission à travers la réalisation du projet de coopération sino-congolaise afin d'apporter des contributions plus significatives et plus positives à la promotion du développement socio-économique de la RDC. 最后，再次感谢总统阁下亲临现场指导工作，也借此机会给总统阁下甘国国家和人民送上我们最美好的祝福。祝在总统阁下英明领导下，甘国国家繁荣富强，人民幸福安康，中甘友谊万岁，中甘合作万岁。谢谢大家。Enfin, je tiens à renouveler ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président, pour sa présence et ses précieuses orientations. Je ne manquerai pas cette occasion pour adresser mes meilleurs voeux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'État congolais et au peuple congolais. Sous la clairvoyante, sage et grandiose orientation et gestion de son Excellence le chef de l'État, la prospérité et la puissance à l'État congolais, je souhaite aussi le bonheur et la bonne santé au peuple congolais. Vive l'amitié sino-congolaise, vive la coopération sino-congolaise. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Thank you. Nous invitons Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo à prendre la parole. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, les projets d'infrastructures prioritaires dans le cadre de cette coopération jetant une base solide pour l'approfondissement de la coopération sino-congolaise en matière d'infrastructure. Le groupe d'entreprises chinoises a attaché une grande importance à la promotion de ces projets, entamé immédiatement les travaux préliminaires et fait toute la préparation pour que le développement socio-économique de la RDC puisse bénéficier de cette coopération dans le plus bref délai. Dans les mois à venir, la partie chinoise va lancer successivement d'autres projets de grands travaux pour contribuer à la transformation de votre vision du développement du pays en une réalité. Mesdames et messieurs les chers amis, les rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa est une route de prospérité pour le Congo et le peuple congolais. La construction de cette route va permettre d'alléger les embouteillages de la ville de Kinshasa et de faciliter le déplacement de la population le long des rocades, contribuant ainsi à l'essor de la capitale congolaise sur le plan économique et social. J'ai la pleine confiance que les rocades deviendront un nouveau repère de Kinshasa et un nouveau symbole de la coopération sino-congolaise en matière d'infrastructure. Mesdames et messieurs, avec la visite fructueuse du président de la République Tshisekedi Tshilombo en Chine en mai dernier, la confiance politique entre la Chine et la RDC a continuellement renforcé.
Notre coopération économique et commerciale s'accélère sur tous les fronts et les nouveaux résultats ne cessent de voir le jour. Dans un proche avenir, nous allons vous inviter à assister à plusieurs autres événements emblématiques de cette collaboration, notamment l'achèvement bientôt des travaux du Centre culturel et artistique, donc du gouvernement chinois en faveur de la République démocratique du Congo, et le forum sur les investissements et la coopération sino-congolaise que l'ambassade de Chine envisage d'organiser en août prochain. En septembre, la nouvelle session du forum sur la coopération Chine-Afrique va se tenir à Beijing, durant laquelle les dirigeants chinois et africains vont se retrouver pour s'échanger de façon approfondie sur les expériences de la gouvernance et de discuter ensemble de la stratégie de développement partagé. Nous invitons chaleureusement Son Excellence Président de la République à honorer de sa présence cette grande fête sino-africaine. Je suis convaincu que sous les soins intentionnés de nos deux chefs d'État, le consensus qu'ils ont obtenu sur les relations entre nos deux pays vont être complètement mis en œuvre. Le partenariat stratégique global entre la Chine et la République démocratique du Congo atteindra un nouveau palier et notre coopération pragmatique s'enrichira chaque jour davantage, abordant plus de bénéfices palpables à nos deux peuples. Vive l'amitié sino-congolaise. Merci de votre aimable attention. Nous invitons Monsieur le Directeur Général de l'APCSC pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Ce jour du 22 juin 2024 restera marqué en lettres d'or dans le panthéon de l'histoire du deuxième mandat de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tant cette date marque le lancement officiel des travaux de la construction des rocades de la ville de Kinshasa, capitale de notre pays, ce qui est une première. En ma qualité de coordonnateur du programme sino-congolais, c'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage, un hommage mérité à Son Excellence Monsieur le Président de la République, un hommage mérité, disais-je, sur fond d'admiration, lui qui a décidé et ordonné, avec l'énergie du courage, la revisitation des accords avec le groupement d'entreprises chinoises, dont les négociations ont débouché sur la signature de l'avenant numéro 5, une révision qui a, entre autres, consacré la hausse du montant d'investissement en infrastructures de 3 à 7 milliards de dollars américains. Ceci accroît inexorablement le flux financier nécessaire au développement des infrastructures attractives, compétitives et durables dont notre pays a besoin dans le cadre du programme sino-congolais, conformément à la noble vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, celui d'un Congo, celle plutôt d'un Congo plus uni, plus fort et plus prospère, avec des infrastructures dignes d'un pays à la quête de son émergence. Nous saluons à cet effet l'apport ô combien louable de tous ceux qui ont marché avec la PCSC et participé à ces robustes négociations qui ont duré une dizaine de mois. En l'occurrence, le cabinet de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement de la République, la GECAMINE, avec mention spéciale à l'inspection générale des finances, qui en a été non seulement le déclencheur, mais le négociateur principal. En effet, ce programme sino-congolais, qui hier
asservi des intérêts individuels, sera dorénavant au service de la nation par la détermination accrue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le management assuré par l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, la PCSC en sigle, que dirige votre humble serviteur, qui ne ménagera aucun effort dans la transformation fondamentale de la cartographie routière de notre pays, selon le programme quinquennal élaboré par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, et pour lequel la PCSC s'acharnera à trouver des partenaires, même par des conventions en gestation. C'est ici le lieu de prévenir tous ceux qui se bousculeront pour intervenir dans le programme sino-congolais avec la fameuse intention de se retrouver. Notre message est simple, vous n'êtes pas égarés. Tout ce qui nous intéresse dans ce programme sino-congolais désormais, c'est un Congo retrouvé. Vision chère à son Excellence Monsieur le Président de la République qui en a d'ailleurs fait le titre d'un ouvrage dernièrement publié. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages renouvelés. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le projet qui va bientôt être lancé aujourd'hui n'est que le premier d'une série qui va bientôt nous conduire dans le Haut-Katanga, la Lomami et le Kassai Oriental avec le bitumage de 900 km de la RN1 ou route nationale numéro 1, puis dans le Kassai Central avec le bitumage de la route de Kalambambouji-Kananga, puis dans le Kivu avec le bitumage de la route de Kamanyola-Ouvira, puis dans plusieurs autres provinces, chacune à son tour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, distingués invités. En terminant mon propos aujourd'hui, je voudrais évoquer la citation de Samuel Ferdinand, un jeune avocat français qui a dit « Un guide de nos actions, plus sûr que les plus grandes lumières, c'est la conscience. Une volonté politique doit naître d'une conscience éclairée sur les réalités qui nous entourent. Car la conscience est l'unique miroir qui ne flatte ni ne trompe. Ainsi, invitons-nous tous les acteurs du programme sino-congolais à préserver ce petit feu sacré nommé la conscience pour penser plus à l'impact de nos actions présentes sur les générations à venir. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le programme sino-congolais. Je vous remercie. Et enfin, nous invitons Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics pour son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Honorables députés provinciaux, Monsieur le Directeur Général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration. Monsieur le Directeur Général de l'Agence congolaise des grands travaux. Monsieur le Directeur Général de la Sino-Congolaise des mines. Monsieur le Directeur Général de la Société des infrastructures sino-congolaises. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Lors de votre discours d'investiture le 20 janvier 2024, dans l'objectif de consolider les acquis de votre premier mandat
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez pris l'engagement de focaliser votre action durant ce second quinquennat sur 6 piliers fondamentaux dont la matérialisation s'appuie en grande partie sur la modernisation des infrastructures. C'est dans cet ordre d'idées que votre gouvernement a procédé le 14 mars 2024 à la signature du 5e avenant de la Convention de collaboration du programme sino-congolais en vue d'en rééquilibrer les dividendes et accroître le bénéfice pour notre pays et son peuple. Pour mémoire, la République démocratique du Congo avait négocié en 2008 un contrat avec le groupement d'entreprises chinoises GEC en sigle, lequel prévoyait l'octroi de gisements cuprocobaltifères par la partie congolaise en échange de la construction des infrastructures en République démocratique du Congo par la partie chinoise. Ce partenariat avait abouti à la création de la société congolaise-chinoise, congolo-chinoise voulais-je dire, dénommée Sino-Congolaise des Mines, Sicomine en sigle, représentée par la Générale des Carrières des Mines, GECAMINE en sigle, et le GEC. En 2021, partant de votre instruction en Conseil des ministres sur la nécessité de rééquilibrer cette convention de collaboration, était ensuite par l'Inspection générale de finances, une commission ad hoc avait été créée en vue de régler la situation de déséquilibre financier observé dans la convention de collaboration de 2008, ainsi que son faible niveau d'exécution du volet infrastructure. Ainsi donc, par votre vision éclairée, vous avez pu obtenir un rééquilibrage des avantages liés à ce partenariat en le rendant gagnant-gagnant entre les deux parties et en revoyant à la hausse le montant d'investissement pour les infrastructures qui passe alors de 3 à 7 milliards de dollars américains, sans compter les autres avantages fiscaux, commerciaux et financiers obtenus sur lesquels je ne saurais pas me pencher à cette occasion. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans la gestion de ces avantages retrouvés grâce à ce rééquilibrage dans la Convention de collaboration RDC-Chine, le gouvernement de la République a décidé d'allouer au bénéfice du secteur des infrastructures un financement certain et conséquent aux différents projets routiers structurants, parmi lesquels celui qui nous réunit ce jour, à savoir la construction de cette route périphérique de la ville de Kinshasa, qui participera à l'empoint d'Ité à fluidifier le trafic autoroutier dans la capitale. Il y a lieu de retenir que c'est pour la toute première fois qu'un financement d'une telle ampleur sera rendu disponible pour l'exécution des travaux d'infrastructure. Preuve que votre autorité a entendu les cris des Congolaises et Congolais sur le déficit infrastructurel criant, qui constitue un véritable frein au développement de notre cher et beau pays. En conformité avec votre vision, une priorisation d'intervention est accordé au secteur routier pour lequel, au niveau du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, les principes suivants ont été retenus, à savoir, primo, réaliser des études avant le début des travaux. Secundo, moderniser les routes d'intérêt national. Tertio, impacter les voiries urbaines. S'agissant de la réalisation des études, elle sera un préalable avant toute exécution des travaux. Ceci a l'avantage de mieux définir l'ouvrage à construire, en maîtriser le coût, le délai et la qualité pour en garantir la durabilité. Pour ce faire, dès les premiers décaissements de cette année 2024, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics va s'atteler à recruter des bureaux d'études
expérimentés pour l'élaboration des études techniques, économiques, socio-environnementales et j'en passe, pour tous les travaux sur les axes retenus dans le programme quinquennal 2024-2028 afin de produire des dossiers d'ici décembre 2024 pour mieux contractualiser avec les entreprises en vue de l'exécution des travaux. S'agissant de la modernisation des routes d'intérêt national, nous visons la construction des routes nationales revêtues, reliant les différents chefs-lieux de province entre eux et à la capitale Kinshasa, ainsi que la connexion de notre pays aux principaux corridors sous-régionaux et africains en vue d'atteindre un ratio de 25% de routes revêtues dans l'ensemble du réseau routier de routes d'intérêt général, ratio moyen des pays de l'Afrique subsaharienne. Notons que ce taux actuellement est à moins de 5%. En termes de linéaire, le réseau routier revêtu actuel est long de 2700 km sur les 58 000 km du réseau routier d'intérêt général et par ce programme, il devrait atteindre dans les 5 années environ 15 516 km, soit la construction de 12 815 km sur la période. Ce réseau de routes bitumées sera renforcé par le restant du réseau traditionnel de routes en terre d'un linéaire de 18 500 km à réhabiliter et à entretenir annuellement grâce à l'acquisition des équipements de génie civil avec l'appui du groupe Gouma et des banques sud-africaines. Un budget estimé à 450 millions de dollars américains annuels sera nécessaire pour assurer l'exécution de ce programme. L'impact de ces équipements sera ressenti jusqu'au niveau de nos 145 territoires. Notre objectif est que le nouveau réseau de routes bitumées et celui de routes en terre réhabilitées couvrent environ 60% du réseau d'intérêt général à mi-parcours et en fin du programme, rendre praticable tout le réseau routier de 58 000 km. Cet objectif, plus qu'ambitieux, est un véritable challenge qui exige un engagement conséquent de tous les acteurs impliqués, aussi bien dans la mobilisation des ressources que dans l'exécution des travaux. Oui, nous le pouvons, Excellence, Monsieur le Président de la République. Yes, we can. Toutefois, cela nécessitera l'accompagnement du gouvernement et particulièrement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le vôtre, que vous n'avez jamais cessé d'ailleurs de nous apporter. Et ce, pour la matérialisation de votre ambition de bâtir un Congo nouveau et retrouvé. Ce saut infrastructurel entraînera des effets multiplicateurs sur les échanges économiques, culturels, touristiques et j'en passe, entre les populations des différentes villes et provinces de notre pays, avec le grand avantage d'améliorer de manière substantielle l'administration du territoire national. Cette nouvelle connectivité de l'espace de la République démocratique du Congo va induire irrémédiablement une véritable intégration nationale et régionale afin d'offrir de meilleures perspectives à la jeunesse, gage des lendemains meilleurs pour la postérité. S'agissant enfin de l'impact sur les voiries urbaines, à ce jour, la République démocratique du Congo compte 11 123 km de voiries urbaines, dont 2 687 revêtues, soit 24%. Il y a lieu de rappeler que, hormis Kinshasa, la capitale, le Haut-Katanga, le Nord-Kivu et le Lualaba, dans la quasi-totalité des provinces,
Le linéaire des voiries revêtues est très faible. Et parmi les provinces les moins nanties, certaines n'ont même pas un seul kilomètre de voiries asphaltées ou bétonnées. Nous citons le Bas-Ouélé, le Haut-Lomami, le Haut-Ouélé, le Lomami, le Maïndombé, la Mongala, le Sankourou, le Sud-Oubangui et la Tchouapa. Ainsi, la stratégie du ministère des Infrastructures et Travaux Publics dans les voiries urbaines pour la période allant de 2024 à 2028 se décline de la manière suivante. 1. Nous construirons des périphériques de 2 fois 2, 3 ou 4 voies pour les grandes villes, permettant une circulation à grande vitesse sans point de conflit, auxquelles seront connectées des routes pénétrantes et des voies transversales d'au moins 2 fois 2 voies, de manière à réaliser un maillage nord-sud et est-ouest. Le projet en cours de lancement permettra à la ville de Kinshasa de sortir des embouteillages récurrents du fait essentiellement des mouvements pendulaires vers la ville sans maillage nord-sud et est-ouest. Deuxièmement, nous aménagerons des voiries primaires, secondaires et tertiaires en vue de permettre une circulation fluide avec une signalisation adéquate, des aires de stationnement, des systèmes d'éclairage public, des séparateurs et passerelles pour piétons si nécessaire. Troisièmement, nous développerons un système de drainage global tenant compte de la pression démographique, des constructions anarchiques et des effets du changement climatique. Quatrièmement, nous construirons un linéaire de 10 km de voirie revêtue au minimum par ville de province moins nantie en voirie. Il est à noter qu'avec cette action, certaines villes du pays auront à expérimenter pour la première fois des voiries revêtues. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le lancement de ce jour constitue le début de la matérialisation de la relance du programme sino-congolais. Une série de projets de modernisation disposant déjà des études et des ressources en 2024 seront successivement lancés dans les jours qui suivent. Il s'agit à titre illustratif de Ngouba Mbujimayi qui a déjà été énoncé ici, Manterne Tchela Singini, Kananga Kanamambuji, mais nous poursuivrons avec le tronçon Lac Mukamba Lusambo de 128 km dans les provinces du Kasaï central et Sankourou. Ngoudi Idiofa, 70 km dans la province de Kwilu. Mbanzangungu, cité de Kamba, route de la Passion, 60 km dans la province du Congo central. Bukavu, Kamanyola, Uvira, dans la province du Sud Kivu. Isiro, Poko, 127 km, dans les provinces du Haut-Ouélé et Bas-Ouélé. Bafouassende, Bomili, 86 km, dans les provinces de la Tchopo et du Bas-Ouélé. Nous procéderons également à la viabilisation et à l'aménagement de Lumumbaville dans la province du Sankourou. Cela a déjà été cité. La construction du stade de Akananga, dans la province du Kasaï central, la réhabilitation et la modernisation de l'hôpital général de Kikwit, dans la province du Kwilu, l'université de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, la modernisation de l'aéroport de Lodja, dans la province du Sankourou, l'aérodrome de Chikapa, dans la province du Kasaï. Cela, juste à titre illustratif. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du bureau d'âge du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Monsieur le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination
et de suivi des conventions de collaboration, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Monsieur le directeur général de Sino-Congolaise des mines, Monsieur le directeur général de la Société des infrastructures Sino-Congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En vue d'atteindre les objectifs du programme quinquennal CIO-Cité, le gouvernement de la République va recourir à la fois aux ressources du programme Sino-Congolais, du trésor public, des partenariats publics et privés et des partenaires techniques et financiers. Pour conclure, à la suite de ce lancement des travaux par votre autorité, il est important pour nous d'informer notre population que les entreprises à pied d'œuvre ne pourront pas d'emblée atteindre la grande vitesse d'exécution des travaux car il faudrait dans l'entretemps procéder aux expropriations des espaces nécessaires pour dégager toute l'emprise de la route. C'est ici pour nous l'opportunité d'insister auprès de nos compatriotes sur la nécessité de respecter l'emprise publique et de ne pas, comme cela se voit malheureusement trop souvent, multiplier des constructions le long de la route dès qu'un projet routier se met en place en vue de se faire indemniser. La loi est très claire à ce sujet et les contrevenants n'auront plus qu'à s'en prendre à eux-mêmes. À bon entendeur, salut. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Que vive le président de la République ainsi que les institutions de la République. Que vive notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Lancer les travaux, parce que c'est le
Yeah.
kota la province qui est nyonso et le kanaki, le chef de l'État a donné le go. Loko la mokonzi ya mboka a pesi go misala eza ko banda. Snell, il faut a longola ba poto na nyonso oyo eza aux alentours ya voie. Et si Kabako Salanze la régie des OP a déjà prévenu et puis fois longola ba o nyonso baza pembeni parce que largeur il y a nzela eza 20 mètres tant au kozali sous tant au kozali sous et si ka ya ba piéton na ba caniveau na ba tioterie donc ba o tout baza le long il y a nzela soki et simbité ba ko buka bango et ba ko songe cela bango mongo pour que misala wana et sala mabande ko nangai to ebiango que c'est grâce il y a renégociation il y a contrat chinois ndé et salike ba misala oyo et sala masoso parce que le chef de l'État tenait vraiment que modernisation il y a ba infrastructure na biso routière et salama na mboka na biso mobimba afin que ba problème oyo et ba mbouteillage oyo et nyo kola ka biso to ebi tango ayaki na manda na ye abandaki déjà moko désengorger na ba nzela mingi oyo ezalaki mabe a tchaki yango vraiment mingi ba tchaki yango béton monsieur ba tchaki yango ba couche ya bitume et ayaki ko lancer ba saut de mouton oyo et mema apport moko et longola et diminua quand même ba embouteillage parce que tu yebi ba place monsieur moyen ko leke ezalaki te na niveau ya quartier 1 il y a deux bonhommes pendant que c'était vraiment tout un problème qu'on est à l'aéroport les lieux comment seront les kinoga à place sur un aérobique on cause un vol nayo normal et pourtant les bosseurs à la kinde en monaté ben des connaissances pour une page tu es niveau bah parents bas à la qui bah tu belé oyo bah fin d'acquis n'a quoi un bout d'iba sundo la cabanda pour nabango pour na kola mokaka 4 heures na bana ya classe bana classe bazo komaka na école ba 5 heures il faut ba lala 17h30 les sous ba nimbika na mituka to ba nimbika kana se wana 17h30 ton ba koya ko fungula ba porte ya école nde bana ba sali ba accéder mais grâce à saut de moteur pompage lelo embouteillage diminue to ebi yango na boulevard des 30 jours à niveau ya Mandela ndenge esala donc partout où yo bachaki et biloko wana et important quand même un changement mais tu es bien là construction il y a route de contournement où yo eko salama na mboka na biso durée nango eko soit 2 ans et demi coût total est à 278 millions bandeko to ebi bo batela mbongo na malamu eko mate lokola dossier à 100 jours eko mate lokola babilo ka baso de mouton donc bo batela mbongo na malamu et salami sala na yango mbongo ebimi et salami sala na yango e peuple congolais acpela to ebi ete bandela wana donc eko salama eko pesa lisusu encore main d'œuvre na population congolaise eko sala biso vraiment malamu en tout cas biso to si kaka kotombela coup de chapeau à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il est vraiment déterminé na kinkena na oyo peuple congolais asila kozongela mo sourire moko oyo a bongisaka durant ba année oyo ebele et les kaki donc merci na mino sobo sa la confiance na biso to prometa ki bino to kotira bino intégralité lancement par le chef de l'État des travaux des rocades de Kinshasa oyo eko banda de mbudi ti eko chute na aéroport ya Njili misala wana vraiment esali kitoko lancement wana esala maki c'était depuis mitendi Jimmy Didier pour les comptes de Congo Avenir Télévision de tokutani mikolo misusu soki nzambe a sungibiso merci.